Mona. Joshua m'a donné rendez-vous à 13h, pendant sa pause de midi, pour qu'on passe du temps ensemble avant le cours de Madame Lenoir. J'ai quitté le lycée à toute vitesse en prévenant Marin par SMS qu'il mange sans moi parce que je devais exceptionnellement filer. Joshua. Je vous attends au rez-de-chaussée devant la femme pâle qui dévoile ses genoux et porte la même coiffure que vous. Je reçois ce SMS au moment où je pénètre dans le hall du musée, comme si Joshua guettait mon arrivée. Ce point de rencontre énigmatique me met le cœur à l'envers, encore plus les minutes. Encore. Plus les minutes passent, plus il remue. Depuis ce matin, il n'arrête pas. J'ai changé 3 fois de tenue, attaché, dénoué, rattaché mes cheveux et opté ensuite pour un rouge à lèvres discret. Qui met en valeur ma robe glisse et moulante. Ma sœur est entrée dans la salle de bain et m'a analysée de haut en bas. Elle a plissé le front. C'est pas un peu too much? Too much? Pour aller en cours? J'ai un rendez-vous cet après-midi. Comment tu me trouves, Adri? Craquante. Je suppose que tu te fais belle pour ce fameux Joshua. Elle a peaufiné sa coiffure pendant que je lui racontais les dernières nouvelles. Tu avais raison. On s'est revus mercredi dernier. Et j'ai l'impression que je lui plais. J'ai encore du mal à y croire. Mais il y a insisté pour qu'on se retrouve en tête à tête aujourd'hui. Quoi, c'est déjà dans la poche? On a échangé tellement de messages que j'ai le sentiment de le connaître. Depuis si longtemps. Il est si étonnant. Il est si étonnant. Donc c'est dans la poche alors que tu le connais presque pas. Alors que tu ne le connais presque pas et que tu as ton concours pour le NSBA, École nationale des beaux-arts, à préparer. Adrie a pris son ton de grande sœur. J'ai tout compris au monde avec mes 6 ans de plus que toi et je vais t'expliquer, ma chouchoute. En une seconde, elle m'a énervée et je lui ai demandé de se mêler ses affaires. Sois quand même prudente, Mona. Oui, maman, oui, maman. J'ai haussé les beaux épaules face à son inquiétude déplacée et j'ai claqué la porte en sortant. Si je lui racontais la manière dont débute mon rendez-vous, elle regretterait ses conseils imbuvables de maître de mère avant l'heure. Je parcours les premières salles sans découvrir la toile que Joshua m'a décrite. Je scrute les murs, passe méthodiquement en revue chaque tableau, lis même les titres dans l'espoir qu'ils m'éclairent. Puis j'avance, plus mon ventre se noue à l'idée de ne jamais la trouver. Je ne veux pas le décevoir ni manquer son regard. Chère mère, ces mots posés et passionnants. Joshua. Vous brûlez, Mona. Je me retourne et observe les environs. Je le sens. Joshua n'est plus très loin. De son poste, il me voit. J'en suis certaine, tant ses messages sont synchronisés avec mes déplacements. Je respire. Redresse la buste, souris et avance vers l'entrée de la sette. Face à moi, la jeune femme assise de ciel apparaît un turban noué dans la chevelure, une main parfaitement droite divisant son visage ciré en deux. Joshua, bravo! Et pardon, je n'ai pas résisté à l'envie de jouer encore un peu. Rejoignez-moi au premier, près de celle qui plonge les yeux dans l'eau. À l'état, je cherche une mer, un lac, une rivière. Il y en a des tas dans les paysages de l'huile ou à l'aquarelle où aucune femme n'est présentée à l'avant-plan. Mon corps hésite devant certains tableaux. Mes yeux errent à la recherche de l'élégante silhouette de Joshua. Mon cœur s'inquiète de nouveau de ne pas être à la hauteur de cette balade mystérieuse qu'il a imaginée spécialement pour moi. Comme s'il sentait mon trouble, il me rassure à distance. Joshua. Faites-vous confiance, Mona. Changez de regard, mais gardez vos beaux yeux de granit. J'esquisse un sourire devant ce compliment plus subtil que les formules clichés de tous les Antonins du monde. Je recommence mon petit tour.
Ravi des retrouvailles à venir, il m'arrête devant une toile d'Henri Matisse, où une femme accoudée à une table contemple un aquarium. Si je suis au bon endroit, le maître du jeu n'est pas là. Je me remets en marche dans le silence si particulier de ce début d'après-midi, où le musée semble vidé de ses visiteurs à partie déjeuner. Joshua. Femme devant un aquarium. Vous ne vous êtes pas trompé, mais moi j'ai filé au second. Si je vous dis que je ne vous y attends, vous me croirez pas, n'est-ce pas? Vous avez raison. Il n'y aura qu'un cadeau sur un banc, prêt à s'épanouir entre vos doigts. Je me retiens de courir pour monter au deuxième, entraîné par ce mystère exaltant, partagé entre l'envie d'avancer vers Joshua et celle de prolonger ses préliminaires dont l'issue romantique ne me laisse plus aucun doute. J'adore cette évidence et ce temps qu'il prend, et ces mots qu'il m'écrit, ces tableaux de femmes seules qui jalonnent mon parcours, je ne suis plus de l'heure, portée par sa compagnie si discrète que je la savoure à mes côtés même en son absence. Sur un banc recouvert de cuir noir, je saisis un carnet à la découverte rouge foncé. Je l'ai choisi car sa couleur était proche de celle de vos cheveux flamboyants. Je vous en supplie, Mona. Offrez-moi un cadeau à votre tour. Dessinez ce qui vous fait face à l'aide du crayon, ce qui soutient votre coiffure. J'aime cette attention qu'il porte aux plus infimes détails. Page blanche sur les genoux, je m'installe. Au moment où je lève le front vers mon modèle, le visage de Frida Kahlo me saute à la gorge. Je déglutis avec difficulté devant cet autoportrait déchirant. Il m'émeut avec une telle intensité que je n'oublierai jamais l'instant de sa découverte. L'artiste a la peau transpercée de clous, le buste ouvert en son milieu, la colonne vertébrale remplacée par une colonne antique brisée à plusieurs niveaux. Cette peintre semble si triste que je voudrais la consoler, restaurer ses ruines, recimenter toutes ses fissures. Alors sur le papier, je la soigne avec mes traits, avec mon pouls qui s'emballe, avec ma vie qui palpite, avec ma joie d'être ici aujourd'hui avec Joshua. Soudain, j'entends des pas résonner sur le parquet. Je résiste à la tentation de lever la tête. Je préfère continuer à jouer mon récit. Je sais que c'est lui. Je l'écoute s'approcher puis s'arrêter dans mon dos. Nous y sommes. D'un coup, je me retourne et sursaute. Salut Mona. Je fronce les sourcils, balbutie quelques mots. Antonin est debout près de moi. Son carton à dessin jaune sous le bras. Il perçoit mon trouble et mon regard inquiet qui se remplit d'irritation. Je suis venu bosser un peu. Sur le projet pour le noir. Pas pas croire que je t'ai suivi. Hein. J'ai bien compris la situation et tes préférences, tu sais. Vraiment, il n'y a aucun stress. Il marque une pause puis désigne mon carnet. Tu travailles sur Kahlo, toi? Oui. S'il y a un dieu sur Terre, qu'il emmène ce gros lourd ailleurs. A plus, Mona. Alors qu'il se dirige vers les escaliers, mon téléphone bip. Si fort qu'Antonin jette un œil dans ma direction puis s'en va. Joshua, cette fois, je vous le jure, Mona, je suis le troisième et je vous attends devant ma peinture préférée. À tout de suite. Je n'y tiens plus. Je me sauve en courant au dernier étage avec le cœur qui bat jusqu'aux orteils. Joshua n'a pas menti. Il est là devant la femme qui pleure de Picasso. Et il m'accueille d'un baiser qui rassemble tous ces morceaux de moi éparpillés. Il m'embrasse jusqu'à ce que mes lèvres brûlent, jusqu'à ce que je manque de m'évanouir tellement c'est bon. Main dans la main, on quitte cette salle au perché et quand on atteint les escaliers, il me semble discerner une ombre qui dévale les marches avec un grand carton à dessin.